With regard to this candle, si l'on regarde cette bougie, il est difficile de dire depuis quand elle brûle. En fait, on ne sait à quel moment elle a été allumée. On ne sait pas non plus quelle était sa taille au départ. Si elle se consumait régulièrement, si on l'a éteinte et rallumée. C'est donc pour cette raison que l'on ne peut pas dire en l'observant maintenant depuis combien de temps elle brûle. Nous pouvons comparer la Terre et le système solaire à une bougie. Nous ne connaissons pas l'âge de la Terre, ni quand elle a commencé à se consumer. Nous ne savons pas si le taux de consommation, c'est-à-dire le taux de vieillissement, a été constant. Et comme nous ne savons pas ces choses, personne n'en a été témoin pour nous le raconter, il est très difficile de trouver une méthode qui donnera véritablement et correctement l'âge de la Terre. C'est pour cela que nous voulons regarder avec vous les différentes méthodes qui ont été utilisées pour dater la Terre et le système solaire, ainsi que les objections que l'on peut y faire. Nous voulons aussi voir si ces objections peuvent être réfutées. Voici un paysage typiquement hollandais. Une petite ville pittoresque sur le bord du Rhin et comme partout au monde, mais plus particulièrement en Hollande, pays à très forte densité de population, il faut construire de nouveaux logements. C'est alors que nous avons découvert quelque chose en creusant les fondations. Nous découvrons de vieux objets. Ceux-ci sont ramassés avec soin. Et la première question qui se pose est la suivante. Quel âge ont ces objets? Avons-nous découvert un ancien camp romain ou encore un village médiéval? Quel âge ont ces morceaux de bois? C'est le laboratoire spécialisé pour la datation à l'université de Groningen qui s'occupera de cela. Ils utiliseront d'ailleurs la méthode de datation carbone 14, aussi appelée méthode au radiocarbone. Prix Nobel et inventeur de ce procédé, le professeur Willard Libby, qui est évolutionniste, nous explique cette méthode. Les rayons cosmiques introduisent du radiocarbone dans la nourriture que nous mangeons. C'est ainsi que nous devenons radioactifs par le radiocarbone. Tant que nous vivons et mangeons, nous maintenons constant le taux de radioactivité en nous. Mais lorsque nous mourons, nous ne mangeons plus et nos corps commencent à perdre le radiocarbone à raison de la moitié tous les 5730 ans. Donc, en mesurant la quantité de radiocarbone de votre corps mort, on peut dire depuis quand il est mort. C'est cela, la méthode de datation au radiocarbone. Cela est vrai non seulement pour les êtres humains, mais aussi pour tout ce qui est vivant. Regardez par exemple ces belles gazelles. Aussi longtemps qu'elles vivent, le carbone 14 et le carbone 12 entrent et sortent de leur corps. Le taux de carbone 14 et le carbone 12 à l'intérieur et à l'extérieur de leur corps est le même. Mais lorsque l'animal meurt, il s'arrête de manger. Et alors il se produit quelque chose. Pendant très longtemps et graduellement, le carbone 14 se décompose, se transforme en azote nitrogène et quitte le corps. Après 5730 années, il ne reste que la moitié du carbone 14 d'origine. C'est pour cela que nous disons une demi-vie de carbone 14 est égale à 5730 années. Voici comment cela se passe au niveau technique. Après avoir nettoyé soigneusement l'échantillon, on le met dans un four à quartz à haute intensité, qui peut atteindre de très hautes températures. Là, le bois est complètement brûlé afin d'en isoler les gaz. Parmi ces gaz, bien sûr, il y a le carbone 14. Après la combustion, donc, les gaz sont filtrés par un système compliqué de tubes et de liquides afin de séparer le dioxyde de carbone des autres gaz. Ce gaz, ainsi purifié,
est ensuite mise à part et examinée par un compteur Geiger. C'est là que les particules radioactives, carbone 14, sont comptées. Ensuite, un ordinateur calcule l'âge de l'échantillon. Au fait, notre échantillon en question s'est révélé provenir d'un ancien camp romain de 200 ans avant Jésus-Christ. Partout dans le monde, les archéologues ont utilisé le carbone 14 afin de déterminer l'âge approximatif de leur découverte. Le carbone 14 est une méthode très pratique pour les travaux archéologiques, surtout si les restes ne sont pas très anciens. L'expérience a montré que la méthode du carbone 14 est loin d'être parfaite. Il y a des variables très importantes qui ne sont pas encore compréhensibles. Malheureusement, cette méthode donne quelquefois des résultats inexacts. Des savants ont fait l'expérience sur un coquillage vivant et les résultats ont indiqué que ce coquillage était mort depuis 3000 ans. La même méthode appliquée sur des carcasses de phoques desséchées depuis 30 ans ont indiqué un âge de 4600 ans. Même des carcasses de phoques qui venaient de mourir ont indiqué un âge de 1300 ans. Contrairement à une supposition communément acceptée sur la méthode de datation au carbone 14, les plantes n'absorbent pas toutes le carbone 14 de la même manière. Une étude récente a montré que certaines plantes possédaient un mécanisme interne jusqu'alors inconnu, qui rejette les atomes radioactifs de carbone, mais qui absorbe les atomes normaux de carbone. Ainsi, à leur mort, ces plantes et les animaux qui les mangent ont un taux anormalement bas de carbone 14. Lorsque ces restes sont datés, ils donnent donc la fausse impression d'être très anciens. Malheureusement, l'expérience prouve que cette méthode n'est pas totalement fiable, mais qu'elle ne semble fonctionner que pour les restes d'êtres vivants qui sont morts au cours des quelques derniers milliers d'années, comme cette ancienne statue de bois faite avec une branche d'arbre. Quelle méthode les évolutionnistes utilisent-ils pour essayer de dater les minéraux et pierres qu'ils supposent avoir des millions ou même des milliards d'années? Qu'en est-il de ces magnifiques montagnes suisses et de leur formation? Mis à part la méthode de datation au carbone 14, il existe bien sûr d'autres méthodes de datation par la radioactivité. On peut utiliser la méthode du carbone 14 qui se décompose en du nitrogène 14. On peut utiliser la méthode du potassium-argon où le potassium se décompose en argon. Et on peut aussi utiliser la méthode à l'uranium-plomb. Ce sont là les trois méthodes principales de datation radioactive. Afin de dater les objets avec la méthode du carbone 14, il vous faut avoir des objets qui ont été vivants dans le passé, comme du bois et des os. Les trois autres méthodes dont le professeur a parlé utilisent des matériaux inorganiques et inertes, comme des rochers et des pierres volcaniques. Le principe de datation reste le même, il se produit une sorte de décomposition. En mesurant la proportion de matériaux radioactifs restants et la quantité de matériaux décomposés, on peut essayer de dater un échantillon. Prenez par exemple ce morceau de rocher. Dans certaines pierres, on trouve de l'uranium. Comme vous le savez, l'uranium est radioactif, comme le carbone 14. Mais il se décompose beaucoup plus lentement. L'uranium de cette pierre se décompose en plomb et en autres éléments. Cela demanderait environ 4 milliards et demi d'années pour que la quantité d'origine d'uranium se réduise de moitié. Pendant que ces procédés chimiques compliqués se produisent, de l'hélium se forme. L'hélium est aussi un élément intéressant, mais nous y reviendrons plus tard. Regardons maintenant un procédé qui n'est pas scientifique, l'expérience du réservoir d'eau. Bien que ce procédé ne soit pas particulièrement scientifique, il est quand même très intéressant car il met en évidence les trois procédés de base de toutes les méthodes de datation radioactive. L'eau s'écoule d'un réservoir à l'autre à une certaine vitesse. On penserait qu'en mesurant le niveau d'eau dans chacun des réservoirs et en comparant, on pourrait déterminer exactement depuis quand l'eau coule.
tout particulièrement si on connaît la vitesse d'écoulement de l'eau. Cela semble logique, et à première vue, personne ne pourrait faire d'objection sur le résultat de votre expérience. Pourtant, lorsque vous faites cela, vous faites en même temps trois suppositions. Peut-être avez-vous pensé qu'au début de l'expérience, le second réservoir était vide. Mais il ne l'était pas, comme vous pouvez le voir. En ce qui concerne la vitesse, vous aviez peut-être pensé que pendant toute la durée de l'expérience, la vitesse était constante. Mais ce n'était pas le cas, comme vous allez le voir. En fait, vous avez agi ainsi parce que vous n'avez pas tenu compte de facteurs extérieurs. Mais que s'est-il passé en fait? Pendant que vous n'étiez pas là, une espèce de touche-à-tout s'est introduit dans le laboratoire et a fait deux choses très importantes. Il a changé la vitesse d'écoulement et a ajouté un seau d'eau entier. Et oui, comme vous n'étiez pas au courant de ces changements, tous vos précieux calculs sont faux. La vitesse présente d'écoulement est plus lente que vous ne le pensiez. Le second réservoir était déjà à moitié plein et ce touche-à-tout a non seulement changé la vitesse d'écoulement, mais a aussi ajouté un seau d'eau. Ces méthodes basées sur la radioactivité présentent trois faiblesses principales. Tout d'abord, on ne sait jamais quelle quantité de substances radioactives existait au départ. Et, comme vous l'avez vu avec l'expérience des réservoirs d'eau, à moins de connaître la quantité au départ, vous ne pouvez pas en théorie calculer depuis quand le processus a commencé, et donc, pour un échantillon quelconque, calculer son âge. C'est la première difficulté rencontrée dans toutes ces méthodes. La deuxième difficulté est, comme vous l'avez aussi vu, lors des expériences des réservoirs d'eau, que les taux de décomposition, les taux de dégradation radioactive doivent demeurer constants. S'ils changent, alors bien sûr, vous ne pouvez pas du tout dater votre échantillon. Nous avons des preuves claires que le taux de dégradation radioactive peut varier. Maintenant, il n'y a aucune garantie que le taux de dégradation radioactive ait toujours été constant. De nombreux isotopes radioactifs ont montré des variations dans leur taux de dégradation. Le docteur Robert Gentry de la Commission pour l'énergie atomique des laboratoires d'Oak Ridge a prouvé récemment que le taux de dégradation radioactive avait aussi varié dans le passé. La dégradation radioactive qui a lieu dans les minéraux cristallisés fait apparaître de minuscules cercles concentriques de décoloration appelés halos de radiation. Des variations dans les diamètres de ces cercles indiquent clairement que les taux de dégradation ont changé dans le passé. Si nous n'avons pas un taux de dégradation absolument constant, nous ne pouvons pas faire confiance à la datation par la radioactivité. Alors, la troisième difficulté de la méthode est la suivante. La concentration des différentes parties du système radioactif doit demeurer constante pendant toute l'expérience. Si vous ajoutez du carbone 14 pendant l'expérience, l'échantillon apparaîtra beaucoup plus jeune que si vous en enlevez. Tous ces éléments tendent à prouver que ces méthodes de datation radioactive ne sont pas fiables. Mais il existe d'autres méthodes de datation qui ne dépendent pas de la décomposition radioactive. Nous avons déjà vu que pendant le processus de décomposition qui transforme l'uranium en plomb, de l'hélium s'échappe dans l'atmosphère. Le docteur Melvin Cook de Salt Lake City, nominé pour le prix Nobel, étudie ce gaz, l'hélium. L'hélium est quelque chose de très intéressant. Il est présent dans l'atmosphère à la quantité de 1 million de milliards de grammes. Cependant, cette quantité est faible si on la compare à la quantité qui serait dans l'atmosphère si tout l'hélium qui est généré dans la Terre et qui sort de l'écorce terrestre devait s'accumuler dans l'atmosphère et si la Terre était aussi âgée que les évolutionnistes le disent. Les évolutionnistes prétendent que la Terre a 4,5 milliards d'années. Or, il n'est pas possible à l'hélium de s'échapper de l'atmosphère de la Terre.
Il est aussi prouvé que le Soleil fait entrer encore plus d'hélium dans notre atmosphère. Ainsi, si la Terre avait réellement 4,5 milliards d'années, notre atmosphère serait saturée d'hélium. Ce qui n'est pas le cas. La quantité d'hélium que nous mesurons ne représente qu'une fraction de ce que les évolutionnistes pensaient qu'il y aurait. Now, the question is, where is the helium? La question que nous posons est la suivante. Où est l'hélium? Si la Terre avait des milliards d'années d'existence, alors, comme je l'ai dit, l'hélium aurait saturé l'atmosphère 1 million de fois plus que ce que nous avons aujourd'hui. En fait, nous avons étudié cette question. On avait l'habitude de dire, voyons, la Terre est vieille et l'hélium sort de l'atmosphère. Il sort simplement. On a appelé ça une exosphère. On a dit que l'hélium, en fait, sort tout simplement de l'atmosphère terrestre. Lorsqu'un physicien chimiste étudie ceci, on peut dire qu'il a autorité en la matière. Il peut dire si cela est vrai ou non. J'ai examiné aussi ce phénomène vers 1955. Là, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune chance pour que l'hélium puisse quitter l'atmosphère. Aussi ai-je posé la question, où est donc cet hélium radiogénique? La réponse semble être que la Terre n'est pas si vieille que ça. Selon les calculs du Dr Cook, l'âge de la Terre se situe en fait entre 10 et 15 000 ans. Il semble que l'univers s'étende sans fin autour de nous. Avec nos télescopes, nous pouvons voir des galaxies de toutes formes. Mais plus nous découvrons, plus nous voyons de choses et moins nous comprenons. Par exemple, quel âge a l'univers? Personne ne peut vraiment le dire. Mais le professeur Harold Slusher, astronome à El Paso, Texas, dit qu'il y a un certain nombre de raisons de supposer que l'univers est relativement jeune. Mais restons-en à l'âge de la planète Terre et voyons ce que l'astronomie a à nous dire à ce sujet. Professeur Slusher. Il est beaucoup plus aisé de déterminer l'âge de notre système solaire et de la Terre parce que nous possédons beaucoup d'informations disponibles. Ainsi, pour l'astronome, il existe un certain nombre de faits, me semble-t-il, qui sembleraient indiquer que le système solaire et la Terre aient tout au plus 10 000 ans d'âge. C'est pour moi un âge maximum pour un certain nombre de raisons. La première est l'éclatement très rapide des comètes dans le système solaire. Les comètes qui tournent autour du Soleil sont littéralement déchirées par des effets de marée dus à l'attraction gravitationnelle des planètes jupitériennes et du Soleil. Ensuite, il y a le vent solaire qui souffle à la vitesse énorme de 400 à 960 km par seconde. Cela balaie littéralement une comète. Et ensuite, il y a des choses toutes particulières qui arrivent aux comètes, comme l'explosion des noyaux. Cela disloque très rapidement les comètes. Il semble que l'âge maximum d'une comète de courte période soit d'environ 10 000 ans au plus, et vraisemblablement moins. La plupart des astronomes croient que les comètes sont apparues en même temps que le système solaire. Ainsi donc, si l'on détermine l'âge d'une comète de courte période, alors automatiquement, on détermine l'âge du système solaire, qui ne peut dépasser 10 000 ans. Si vous observez la poussière qui recouvre la Lune, vous arriverez certainement à la conclusion que la Lune doit être assez jeune. Et comme la Lune est jeune, la Terre est jeune. Vous voyez la poussière de l'espace interplanétaire qui se dépose continuellement sur la surface de la Lune. Elle se dépose au rythme d'à peu près 14 300 000 tonnes, jusqu'à même 10 fois plus que cela, par an. Ainsi, après 4,5 à 5 milliards d'années, vous devriez avoir une couche de poussière sur la Lune de 135 à 300 mètres d'épaisseur. Mais sur la Lune, vous avez une couche de poussière d'à peu près 3 mm à 7 cm d'épaisseur. Et quelques centimètres donneront un âge de 7 à 8 000 ans pour la Lune. Ainsi, en observant la surface de la Lune, l'absence de poussière est en fait un excellent indice de l'âge de la Lune. Elle paraît jeune, et au lieu d'une couche très épaisse qui nous ferait dire que la Lune est âgée, la Lune a une petite couche. Elle est très jeune. Si la Lune est assez jeune, alors bien sûr, la Terre elle-même doit être assez jeune.
En fait, les évolutionnistes disent que la Terre et la Lune ont à peu près le même âge. La poussière vient de l'espace sous la forme de météores et de météorites. Mais lorsque nous en mesurons la quantité sur la Terre, nous en venons à la même conclusion. On ne pourrait pas accumuler plus de poussière météorique en 10 ou 15 000 ans. On a généralement donné l'impression au public qu'il n'y avait aucune preuve que la Terre et l'univers étaient jeunes. Cependant, il existe bien d'autres indications de cela. Depuis 1836, plus d'une centaine d'observateurs différents de l'Observatoire Royal de Greenwich et de l'Observatoire Naval des États-Unis ont pris des mesures et ont découvert que le diamètre du Soleil diminuait au rythme de 1,50 m par heure. Le diamètre du Soleil est si large que cette diminution passe inaperçue sur des centaines ou même des milliers d'années. Cependant, le Soleil continue effectivement de rétrécir. Des enregistrements des éclipses solaires impliquent que ce rétrécissement relativement rapide se produit depuis au moins 400 ans. Autant que les chercheurs puissent dire, ce rythme a été constant depuis la formation du Soleil. Selon les estimations les plus répandues, il semblerait que le Soleil aurait eu au moins deux fois la longueur de son rayon actuel, cela il y a seulement 100 000 ans. Il y a 20 millions d'années, la surface du Soleil aurait été en contact avec la surface de la Terre. Certains experts en ont conclu que le Soleil aurait été si grand, il n'y a ne serait-ce qu'un million d'années ou moins que ça, qu'aucune vie n'aurait pu exister sur la planète. Je crois que lorsqu'on ajoute ces éléments les uns aux autres, on en vient certainement à la conclusion que le système solaire et la Terre sont assez jeunes, pas plus de 10 000 ans. Et je crois certainement que l'univers lui-même n'est pas plus vieux. Je pense que tous ces éléments ont en fait le même âge. Pendant des siècles, des navires ont cherché leur chemin sur des océans qui semblaient sans fin. Pendant les quelques dernières centaines d'années, ils ont utilisé un instrument bien connu pour se diriger, la boussole. L'aiguille de la boussole indique toujours le nord magnétique. Cela parce qu'il existe un champ magnétique tout autour de la Terre. Nous savons que ce champ magnétique se dégrade. Tous les 1400 ans, sa force est réduite de moitié. Aussi, lorsque nous remontons de 1400 ans dans l'histoire, le champ magnétique était deux fois plus fort qu'aujourd'hui. Il y a 1400 ans avant cela encore, le champ magnétique était quatre fois plus fort qu'aujourd'hui, etc., etc. Le professeur Thomas Barnes, physicien de l'université de El Paso, conclut. Si nous remontions 10 000 ans en arrière, le champ magnétique de la Terre aurait été aussi fort que le champ magnétique d'une étoile magnétique. Bien sûr, une étoile magnétique est comme notre Soleil. Elle a à sa source une puissance nucléaire. En fait, notre Terre n'a jamais eu une source nucléaire comme le Soleil, et notre Terre n'a jamais eu de champ magnétique, certainement pas plus fort qu'une étoile. Ceci limiterait donc l'âge de la Terre à 10 000 ans. D'autres facteurs physiques indiqueraient d'autres possibilités d'âge, mais la science pourrait tout à fait déclarer les plus grandes preuves de physique à l'appui, le genre de physique avec laquelle nous construisons des instruments, des radars, des systèmes de communication. Ce même type de physique nous dirait que le champ magnétique de la Terre ne peut pas avoir plus que, dirons-nous, 6 à 15 000 ans. La Terre, un magnifique petit point dans l'univers, peut-être créé il n'y a pas si longtemps que cela. Que nous enseignent donc les méthodes de datation ? Nous avons examiné différentes méthodes de datation. Certaines de nos méthodes de datation ont indiqué un âge très avancé de la Terre, et d'autres méthodes ont indiqué un âge très jeune. Mais les deux types de méthodes de datation rencontrent la même difficulté, et aucune d'elles n'est concluante.
La Bible enseigne assez clairement que l'âge de la Terre n'est pas si élevé et que la création a eu lieu il n'y a pas si longtemps. Il y a quelques années, une nouvelle méthode de datation a été mise au point, basée sur la radioactivité et appelée la méthode du halo de Robert Gentry. Et cette méthode aussi, contrairement aux autres méthodes, indique que la Terre est assez jeune. Aussi avons-nous une preuve scientifique qui soutient le point de vue biblique, affirmant que la Terre est très jeune. En fait, si cela est confirmé, nous ne voulons pas être intolérants là-dessus, si cela est confirmé, les longues périodes de temps qui sont absolument nécessaires pour l'évolution n'existent tout simplement pas. Et si elles n'existent pas, alors bien sûr, tout le concept d'évolution est remis en cause. L'évolution, ne pouvant admettre un homme créé en une courte période, imagine donc des temps très anciens. Or, la Bible enseigne au contraire que la Terre est jeune. Puisqu'elle est jeune, il nous faut absolument reconnaître qu'il y a eu création de la part d'un Dieu éternel qui a fait ce qu'il fallait pour tout créer comme nous le voyons aujourd'hui. To have produced a creation such as we see today.